et la continuation de la casse de l'État social dans ce pays. Et puis sinon, bah, on est dans les mobilisations pour soutenir les grèves. Parce que le combat, du coup, là, il va se jouer dans la rue beaucoup plus qu'à l'Assemblée. Bien sûr, ouais. Il est dans la rue, il est auprès des citoyens. Il y a quelques salariés du privé qui sont venus aussi. Est-ce que vous avez l'espoir que tout ça se coagule, disons? L'espoir, il ne faut pas faire seulement avoir l'espoir, il faut pousser. Donc nous, on a dit qu'on voulait être utile au mouvement, on soutient. Il y a des manifestations le 14 avril à Marseille, à Montpellier, à Lille. On soutient la journée interprofessionnelle du 19. Il y a la proposition qui a été faite la semaine dernière par François Ruffin d'une date le 5 mai. Grande convergence citoyenne, on soutient. Et on soutient surtout les grèves qui sont... Et on dénonce la violence du gouvernement. À l'heure où je vous parle, les CRS sont à la fac de Nanterre. Ce gouvernement, il a l'illégitimité de faire passer des réformes. Alors il agit avec la violence, ce qui est aussi irresponsable dans la situation. Elles sont à nous. Elles sont à nous. Elles sont à nous.
aller.
Non. Oh!
machin, fils de pute. Oh, c'est vite. T'as le bâtard. Gros bâtard. Oh, t'as le bâtard. Oh, là, là. Oh, là, là. Allez, frappe, c'est qui? Je suis journaliste.